Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV. Alors, Nabila, très heureuse d'être devenue tata et d'avoir pu voir son neveu pour la première fois. Je vous laisse avec sa story. J'espère que vous allez bien. Donc, j'ai énormément de questions sur la naissance de mon neveu. Donc oui, il est bien né, tout va bien. J'ai pas pu vous donner trop de détails parce que ben, forcément, c'est le Covid et tout ça. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas pu aller le voir. Ma mère, elle a pas pu. La maman de Camélia non plus parce que ben, c'est le Covid. Donc il y a vraiment des règles et tout ça. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller le voir, mais très rapidement hier. Voilà, donc c'était un moment magique. Ils vont super bien et ça leur va super bien et je suis trop contente pour eux. Je laisserai les parents vous annoncer pour tout ce qui est prénom, etc. En tout cas, je l'ai rencontré hier, il est magnifique, vraiment. Il est trop beau, c'est un truc de fou. Et je suis trop contente, vraiment, j'ai été hyper émue. Voilà, on a pu le voir, mais hyper rapidement parce qu'il y a énormément de règles par rapport au Covid. Et comme je vous dis, ben, même les mamans n'ont pas pu aller le voir encore. Donc c'était vraiment... Voilà, c'était vraiment très rapide et j'espère pouvoir le revoir soit aujourd'hui, soit un peu plus tard, quand ils seront sortis de l'hôpital. En tout cas, ne vous inquiétez pas, tout s'est très bien passé. Et du coup, notre fils, il n'a pas pu rencontrer son petit cousin. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. C'est que Milan voit son petit cousin. Je pense que je vais tellement émue. Ouf, donc voilà, on attend. Qu'on puisse aller chez eux en fait parce qu'à l'hôpital c'est pas possible, donc on attend clairement qu'ils rentrent à la maison pour pouvoir aller revoir le petit neveu et que du coup tout le monde le rencontre. Regardez comme elle est contente. Je suis trop contente. Elle est enfin tata. Ah non, je suis tellement contente, mais j'aurais tellement voulu rester plus longtemps. On a perdu son français. T'as compris? Non, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas pu rester longtemps hier, on a pu rester qu'une trentaine de minutes. Il est tellement beau. En l'espace de un an, oh là là. Nabila, elle est devenue maman et tata. Non, mais là, j'y crois pas, je te jure, vraiment, genre. Non, c'est un truc de fou. J'ai tellement envie que Milan le rencontre, genre, vraiment. Avec le Covid, c'est hyper compliqué. Tout, ça m'a fait trop de la peine. Avec le Covid, il y a plein de restrictions. On n'a pas pu rester longtemps hier, donc à la maternité. Même ma mère, elle n'a pas pu le voir. Ouais. Donc, voilà, on est hyper contents. Et félicitations à Tarek et Camélia. Voilà.